Salut tout le monde! Salut mes amours, comment ça va aujourd'hui? Vous allez bien? Alors aujourd'hui, j'ai fait un peu du tri dans mon ordinateur, dans mes fichiers et ainsi de suite, dans les photos, dans les vidéos. Et je me suis rendu compte que je ne vous ai jamais montré une vidéo qui date de l'année dernière, pratiquement un an jour pour jour, parce que ça date de janvier, mi-janvier 2018. J'étais encore toute seule, j'étais pas avec Ambre encore. Et j'avais une souris. J'avais une souris d'un Foxy. Donc, je me suis rendu compte, tout simplement, un soir, j'étais tranquillement installée sur mon fauteuil conducteur pour bouquiner. Et du coin de l'œil, là, je voyais un truc bouger sur le dossier du fauteuil passager. C'est qu'en fait, c'était une souris. Une souris qui se baladait comme ça, là, dans Foxy. Ouais, d'accord. J'ai pas eu le temps de voir où est-ce qu'elle est partie. Et donc, j'ai essayé de la rattraper. J'ai pas réussi pendant un certain temps. Je l'entendais la nuit. Et j'avais fait une vidéo, mais d'une chose à l'autre, je ne l'ai jamais mis en ligne. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter, ça fait un an, désolé, donc vous allez voir la décoration, donc Foxy, ça a changé depuis. Donc aujourd'hui, je vous présente mon aventure avec la petite souris. Allez, vous allez voir ça, c'est très marrant. Amusez-vous bien. Et bonjour. Bon, question. John Steinbeck, vous avez déjà entendu parler. Les souris et les hommes, vous avez peut-être déjà entendu parler, vous l'avez peut-être aussi déjà lu. Non, je ne veux pas vous parler d'un bouquin aujourd'hui, ni de littérature, ni de quoi que ce soit. Je vous parle de la souris qui est dans Foxy depuis 15 jours. Voilà, et que je n'arrive pas à rattraper. En fait, elle est montée à un moment donné dans Foxy. Je ne sais pas par où elle est passée. Je n'ai aucune idée. C'était le week-end de Noël, donc ça fait 15 jours. Et puis, depuis, elle me nargue. Elle me nargue. Elle me nargue. Je l'entends la nuit. Elle se balade un peu partout. Je vois des traces le matin. Elle a commencé à grignoter le sachet des croquettes pour Domino. Je ne sais pas s'il a pris les croquettes, je n'en sais rien, mais en tout cas, elle a commencé à grignoter le sachet. Et donc, elle se balade dans mon tiroir où j'ai mes écharpes et mes bonnets et mes gants et tout ça. Je vois les crottes le matin. Bon. Et c'est ce que je crains. Je n'ai pas peur des souris, au contraire, je trouve ça très mignon. Mais c'est ce que je crains, c'est qu'elle commence à me bouffer des fils. Comme elle se balade dans la soute sous le lit, il y a plein de fils qui passent. Il y a la batterie de la cellule qui est installée. Il y a tous les branchements du panneau solaire, du branchement de ma pile EFOY. Tout est là-dessous. Donc je crains qu'un jour, elle va commencer à grignoter les fils. Et ça, je n'en veux pas. Alors, donc, hier, je suis allée dans un bricolage, je ne sais plus lequel, peu importe, un truc de bricoleur, et je cherchais du souricide. Et je trouvais autre chose. Voilà, j'ai trouvé ça. C'est une cage à souris pour attraper les souris. Mais elle ne meurt pas, c'est-à-dire c'est pas une tapette. Et puis ensuite, on peut le lâcher en pleine nature. Voilà, je trouve ça quand même plus agréable, surtout pour les souris, que le souricide. Et le souricide, il y a l'autre danger que Domino va en rattraper, il va bouffer, et ça c'est très 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 mauvais. On a déjà vécu ça. J'avais dans un des appartements où j'ai vécu il y a une quinzaine d'années en centre-ville dans le vieux Bordeaux, un vieux immeuble du 18e. Il y avait des souris partout. Donc là, j'ai mis du souricide parce que je ne savais pas que ce type de cage existe, ce type d'attrape-souris.
Et puis, bien évidemment, un samedi soir, je vois mon domino arriver avec le museau tout bleu. Mince, alors j'allais partir avoir un concert au Grand Théâtre de Bordeaux. J'avais des billets, j'avais tout, et je vois Domino arriver avec le museau bleu. Mince, il a bouffé le souricide. Alors, bah, bien évidemment, vite, vite, vite. Chercher un vétérinaire de garde, vite, vite, vite. C'était bien évidemment l'autre côté de Bordeaux, hein. Donc, il a donné un produit pour vomir. Domino a tout vomi. 15 minutes plus tard, ben, il a donné un médicament pour arrêter de vomir. Donc, Domino a arrêté de vomir et il a donné un autre traitement. Voilà. Bon, heureusement, ça s'est bien passé. Malheureusement, ma soirée concert au Grand Théâtre, eh ben ça c'était foutu, hein, voilà. Donc, je cherche une autre solution et j'ai entendu parler de ça. Ça c'est une petite cage, voilà. Ça fonctionne simplement. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Attendez, on va essayer. Donc voilà, vous avez la petite cage. Ensuite, ici, il y a la trappe qu'on ouvre. Vous voyez? Voilà. On fixe avec ce petit crochet-là. Et voilà. Et ça se présente comme ça. Et au bout de ce crochet, il y a une pointe. Et là, sur cette pointe, voilà, on le voit là. Voilà. On fixe. La vendeuse, elle m'a conseillé de ne pas mettre du fromage parce qu'apparemment le fromage ne marche pas. Voilà. Et ben, un truc sucré, quelque chose comme ça. Et ensuite, ben, dès que la souris, elle monte, elle rentre là-dedans. Donc, là, c'est ouvert. Voilà. Tac, tac, tac. Elle voit le petit bout sucré au bout. Elle touche et. Théoriquement, ben je vais essayer de le toucher. Je ne sais pas trop bien avec quoi. J'ai rien de pointu qui peut rentrer là-dedans. Bien évidemment, j'ai rien préparé. Hein, ça, c'est clair. Ça, c'est moi tout craché. Voilà. Voilà. Donc, vous avez fixé là, au bout, un petit truc sucré. La souris, elle rentre dedans. Hop! Elle tire sur le petit machin là, voilà, elle tire, elle tire, elle tire, et ping, ça se ferme. On va refaire. Théoriquement, oui. Théoriquement, oui. En théorie, c'est ça. En théorie. Je vous dis bien en théorie. Hein? Parce que. Hop, tac. En théorie, ouais. Sauf que ben, j'ai Vous testé voyez? les taches là, au fond de la cage. Là, petite tache. Et j'avais mis un morceau de gâteau, un petit bout de gâteau au chocolat. Et puis j'ai posé à un endroit de passage, là où la souris est passée, parce que j'avais ben, j'avais passé, enfin j'ai vu des traces. Et je l'ai posé là. Et 3 heures après, je regardais. Et bien, le gâteau avait disparu, mais la trappe n'a pas bougé. C'est toujours resté ouvert. Voilà. Vous pouvez rire, ouais. Elle m'énergue, la souris. Alors maintenant, je vais essayer de trouver une autre solution. Je me suis dit, il faut que je mette quelque chose, parce qu'en fait, c'est vrai, c'est peut-être un peu ma faute aussi. Le morceau de gâteau, je l'avais juste posé comme ça. Sans vraiment le fixer sur le pic. Et pourtant, la vendeuse, elle m'a bien précisé, il faut bien le fixer sur le pic pour que la souris soit obligée de tirer dessus pour l'enlever. Donc, la souris, elle est passée à côté, elle a bouffé le gâteau, et bien, elle est repartie. Voilà, au revoir la souris. Et ben voilà. Maintenant, je vais trouver autre chose. Vous allez voir. Voilà, vous voyez ça? Vous voyez ce que c'est ça? Ça, ce truc-là qui est fixé, c'est une croquette de domino que j'ai piquée dans sa gamelle. Voilà. Et là, la souris, elle va être
obligée de tirer dessus. Et dès qu'elle tire dessus, ça va faire bing! Et la souris, morte. Enfin, non, non, pas morte. Piégée. Voilà. Alors maintenant, ce truc-là, je vais le poser sur un lieu de passage, c'est-à-dire dans la soute, ici. Voilà. Vous voyez là? Là. Il est là. On va reculer un peu. Voilà, jusqu'à ici. Bien. Eh bien, après, on verra le résultat. Voilà. Enfin, j'ai réussi à capter la souris. Oh, ça fait une semaine que j'ai acheté cette cage. Et ça fait une semaine que je tente de la rattraper. Elle est très maligne, hein, parce que j'ai mis du gâteau au chocolat. Elle est passée à côté, elle a bouffé le gâteau au chocolat, elle n'a pas touché, donc la cage s'est pas fermée. Le lendemain, j'ai coincé une croquette de domino, elle n'a même pas touché. J'ai essayé encore avec un morceau de brioche, avec un morceau de cake. Rien à faire, rien à faire, rien à faire. Elle bouffe, elle mange les trucs, elle passe à côté, elle ressort. Voilà, elle touche pas le crochet. Par contre, c'est ce que j'ai fait hier soir, j'ai pris un morceau de cake. Vous savez, le truc super sucré qui colle hyper bien. J'ai fait une petite boule avec, bien compacte, bien pressée. Et oh, elle est mignonne quand même, la petite souris. Donc elle ne mérite pas qu'elle meure. On va la libérer tout à l'heure. Et donc la petite boule que j'ai accrochée au bout de la pointe, bien, bien, bien fixe, bien comme il faut, bien solidement. Et bien la voilà, elle a bouffé quand même le cake, le morceau de cake. Et puis la voilà, elle est dans la cage, elle essaye, la pauvre, elle essaye désespérément de sortir. Donc, on va la libérer, on va la sortir dans la nature. Je suis sur un aire de camping. On va aller un peu plus loin pour la faire sortir. Enfin, moi, j'y vais aller un peu plus loin. Je ne vais pas domino avec moi. Il va rester sagement ici dans Foxy. Oh, la pauvre. Oh, elle doit être super stressée. C'est une souris voyageuse. Elle a fait des kilomètres avec moi, hein? Elle est dans Foxy depuis, allez, le week-end de Noël. Nous sommes aujourd'hui le 12, 11, 12, je ne sais plus. Et voilà. Donc, ça fait bah, pas tout à fait 3 semaines qu'elle a voyagé avec moi. Elle a fait des kilomètres. Hein. Elle m'a largué des fois quand même. Hein. Voilà, la morpionne. Bon, allez, on va la libérer. Donc, voilà l'histoire de la petite souris et tout ce qui peut arriver dans un camping-car. Allez, ça vous a plu? Vous êtes bien amusés? C'est chouette. Allez, en bas, vous allez vous abonner. Vous allez cliquer sur le pouce. Et comme ça, vous êtes au courant et vous ne ratez rien des nouveautés, des histoires, des anecdotes, des vidéos et ainsi de suite. Allez, je vous souhaite une bonne journée et vivez votre vie comme vous le voulez. À bientôt, au revoir. Vous avez vu? La souris, elle m'a nargué, mais finalement, j'ai eu raison d'elle. Alors, c'était l'année dernière, j'étais à. Elle est rentrée, elle est montée dans Foxy quand j'étais le week-end de Noël, c'était à Port-Saint-Louis, dans le sud de la France. Et de Port-Saint-Louis, je suis partie direction Aix-en-Provence. Je suis partie. Ben, d'abord, je suis allée direction Saint-Tropez. J'ai passé Nouvel An à côté de Saint-Tropez. Ensuite, je suis partie à Aix-en-Provence. Ensuite, je suis partie à Bourg-de-Provence. Et là, je vous avais fait la vidéo du spectacle Son et Lumière. Et de là, je suis partie direction Italie. Et à Ventimiglia, j'ai passé la première nuit en Italie à Ventimiglia.
Et le lendemain, je suis allée dans un village qui s'appelle Diano Castello. Et à Diano Castello, il y a un magnifique aire de camping-car. Et donc, c'est là que j'ai lâché la souris. Donc, vous voyez bien, ça date du 24-25 décembre. Et je suis arrivée à Diano Castello le 11 janvier. Donc, vous voyez, elle a quand même voyagé avec moi pendant. Elle a fait quelques kilomètres avec moi quand même. Voilà une petite anecdote, l'histoire, déjà l'histoire, un an déjà, il y a plein de choses qui ont passé depuis. Mais ben, vous avez envie de partager nos vies, et ben, ça fait partie de la vie. Une souris, ça peut monter, comme vous êtes en pleine campagne tout le temps, et puis une souris, ben, c'est partout, des souris, il y en a partout, donc vous pouvez en trouver un peu partout. Allez, je vous souhaite une belle journée. Sous la neige, sous la pluie, dans le froid, au soleil, où que vous y êtes, pas de soucis. Et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!